Hermagoras. Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie. Il s'étonne de n'entendre faire aucune mention du roi de Bohême. Ne lui parlez pas des guerres des Flandres et de Hollande. Dispensez-le du moins de vous répondre. Il confond les temps, il ignore quand elles ont commencé, quand elles ont fini, combat, siège. Tout lui est nouveau. Mais il est instruit de la guerre des géants. Il en raconte le progrès et les moindres détails. Rien ne lui est échappé. Il débrouille de même l'affreux chaos des deux empires, le babylonien et l'assyrien. Il connaît à fond les Égyptiens et leur dynastie. Il n'a jamais vu Versailles, il ne le verra point. Il a presque vu la tour de Babel. Il en compte les degrés. Il sait combien d'architectes ont présidé à cet ouvrage. Il sait le nom des architectes. Dirais-je qu'il croit Henri IV, fils de Henri III? Il néglige du moins de rien connaître aux maisons de France, d'Autriche et de Bavière. Quelle minutie, dit-il, pendant qu'il récite de mémoire toute une liste des rois des Mèdes et de Babylone, et que les noms d'Apronal, d'Érigébal, de Noesné Mordac ou de Mardoc Empad lui sont aussi familiers qu'à nous ceux de Valois ou de Bourbon. Il demande si l'empereur a jamais été marié. Mais personne ne lui apprendra que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi jouit d'une santé parfaite et il se souvient que Thutmôsis, un roi d'Égypte, était valétudinaire et qu'il tenait cette complexion de son aïeul, Ali Farmutosis. Que ne sait-il point? Quelle chose lui est gâchée de la vénérable antiquité? Il vous dira que c'est Miramis, ou, selon quelques-uns, c'est Rimaris. Parlait comme son fils Ninias, qu'on ne les distinguait pas à la parole. Si c'était parce que la mère avait une voix mâle comme son fils, ou le fils une voix efféminée comme sa mère, qu'il n'ose pas le décider. Il vous révélera que Nembro était gaucher, et ses ostris ambidextres. Que c'est une erreur de s'imaginer qu'un Artaxerxe ait été appelé longue main parce que les bras lui pendaient jusqu'au genou, et non à cause qu'il avait une main plus longue que l'autre. Et il ajoute qu'il y a des auteurs graves qui affirment que c'était la droite, et qu'il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que c'était la gauche.